Bonjour, nous sommes le 19 avril 2016 et nous sommes dans une série de vidéos où avec Karim qui est là, qui va se présenter, et moi, Arnaud Dumouche, nous allons essayer de faire toute une série de vidéos sur les thèmes de théologie, toutes les choses qui nous différencient entre catholiques et d'autre part musulmans sunnites. Alors je me présente d'abord et puis Karim se présentera. Donc je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique, je suis prof de religion, actuellement donc en congé, et j'enseigne depuis 25 ans dans des classes du secondaire. En outre, j'écris quelques petits livres et je suis spécialisé en théologie catholique plutôt sur l'eschatologie, ça veut dire tout ce qui concerne l'heure de la mort, la fin du monde. Alors voilà maintenant Karim qui est à côté de moi et qui va se présenter. Bonjour Arnaud, je te remercie pour la parole. Donc que la paix de Dieu soit sur vous. Donc je vais me présenter, je m'appelle Karim El Hanifi. Donc voilà, je fais de la théologie comparative depuis à peu près, un peu plus de 12 ans. Je suis le fondateur du CRRC, donc du Centre de Recherche des Religions Comparées, qui va voir le jour d'ici un mois, si tu le permets. Et donc moi aussi c'est pareil, je me suis principalement bâti en autodidacte depuis toutes ces années, mais j'avais certains professeurs de Religions Comparées qui m'encadraient, comme le professeur Abdul Majid Kassobbia, qui est très très connu de manière internationale dans le monde des religions comparées. Après j'ai fait mon propre chemin et mon cheminement dans le domaine des religions comparées. Et puis aujourd'hui, je me retrouve avec Arnaud, avec qui je suis très content de partager ce petit dialogue. Alors Karim, tu es de quel islam? Tu appartiens à quelle école de l'islam? Sunnite, bien sûr. Alors moi, je suis d'obédience sunnite. Voilà, et d'une école particulière? Non, tu n'as pas un... Je suis sunnite. Sunnite, voilà. Et tandis que moi, je suis catholique romain, avec évidemment une grande volonté d'écoute de ce que dit l'Église en particulier, et ça va être le cadre de notre dialogue, qui fera peut-être une trentaine de vidéos. Nostra Aetate, ça veut dire un document du Saint Concile Vatican II qui demande maintenant aux catholiques, tout en étant ferme, c'est-à-dire de bien distinguer les différences, on n'a pas du tout la même foi sur beaucoup de domaines, mais de regarder aussi ce qui nous unit. Donc, pas seulement le verre à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Alors, attention, le premier aspect entre Karim et moi, on s'est mis d'accord, c'est qu'on sera intransigeant sur nos différences théologiques. Il ne s'agit pas d'être hypocrite et de dire qu'on est pareil, n'est-ce pas Karim? Exactement. Par contre, alors, deuxième aspect, c'est la charité, nous adorons, c'est ce que dit le Concile Vatican II, le même Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pas selon la même manière de l'adorer, hein. Ce n'est pas la même religion, mais c'est la même personne de Dieu, et donc de discuter en toute charité, en nous faisant des objections, quand il y en aura, donc c'est pas deux monologues où nous sommes en guerre, hein. C'est plutôt chacun donne, c'est ce qu'on appelle pour les chrétiens l'œcuménisme, sauf que là c'est le dialogue interreligieux. Karim, tu as peut-être quelque chose à ajouter? Exactement. En fait, je pense que ça, en fait, il y a deux types de dialogues qui existent. Il y a ce qu'on appelle la joute verbale, donc c'est un débat théologique frontal, et il y a aussi ce qu'on appelle le dialogue plutôt posé, c'est-à-dire qu'on fait de l'exposition chacun de nos croyances et on peut se permettre quelques objections, quelques remarques, afin que l'autre puisse nous éclairer ou nous en dire un peu plus. Et donc, je pense que ce que nous avons entrepris aujourd'hui, c'est dans cette démarche-là. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles nous ne serons jamais d'accord, c'est normal, mais outre les différences, on va essayer en tout cas aussi de rapprocher, de montrer aussi nos similitudes. Nous, par exemple, le Coran nous demande de discuter avec les gens du livre de la meilleure des façons et aussi de les appeler à une parole commune qui n'est que d'adorer Dieu. On retrouve cela dans la sourate 3 du Coran au verset 64. Mais aussi en appelant les gens au sentier de Dieu par la sagesse et la bonne exhortation, comme le dit le Coran dans la sourate 16, verset 125. Donc voilà, moi en tout cas aujourd'hui je suis dans cette démarche-là avec toi Arnaud, et ça me fait très plaisir, comme je t'ai dit, de partager ce moment avec toi d'exposition et en tout cas d'essai de compréhension de la foi de l'autre. Ben voilà Karim, il n'y a rien à ajouter, donc cette présentation est suffisante, et on va passer tout de suite au premier thème, à savoir nos théologies fondamentales mutuelles. À bientôt. Je te remercie. Au revoir.